L'amour, la vie amoureuse, célébrer l'amour. Sophie Orvelker, Aloha Feng Shui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera très courte mais un peu spéciale puisque c'est surtout une vidéo qui vous annonce une série de vidéos que je vais faire sur le thème de l'amour, de la vie amoureuse, de la relation de couple. Et oui, la Saint-Valentin est toute proche, le 14 février. Alors bien sûr, pour de nombreuses personnes, c'est une fête purement commerciale, mais je trouve que c'est une belle opportunité de se rappeler que l'amour est un sentiment tellement important dans notre vie, surtout en cette période un peu morose et au cœur de l'hiver, un hiver qui est plutôt froid, surtout chez nous en Alsace. Alors, peu importe que vous ayez tendance à célébrer ou pas la Saint-Valentin, j'ai vraiment saisi cette opportunité pour vous annoncer que je vous propose une série de vidéos sur la thématique de l'amour, toujours avec mon éclairage en lien avec mes compétences et mes connaissances dans le domaine du Feng Shui, mais également de l'astrologie chinoise, de l'EFT. Je vais essayer de vous faire des mini vidéos qui traiteront à chaque fois de ces différents aspects avec différents outils pour vous aider à comprendre un petit peu comment on peut soutenir la vie amoureuse, que ce soit si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, comment vous pouvez mieux vous comprendre, comprendre votre mode relationnel, quel type de partenaire amoureux êtes-vous, mais aussi comment vous pouvez améliorer votre relation amoureuse ou peut-être attirer plus facilement à vous l'amour si vous êtes célibataire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais essayer de publier ces vidéos à un rythme d'à peu près une par semaine. Donc pour n'en louper aucune, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être informé de toutes les vidéos que je publierai. Voilà, je pense que en cette période, nous avons vraiment besoin de parler d'amour. L'amour, ça fait du bien. L'amour, ça réchauffe. Et puis l'amour, c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc ouvrons nos cœurs respectifs pour laisser vibrer l'amour en nous. Et je vais vraiment faire en sorte que les vidéos que je vous proposerai vous aident, vous accompagnent et surtout vous permettent vraiment de vous reconnecter à l'amour qui est en vous et de mieux comprendre comment vous fonctionnez en amour. Je vous souhaite une très belle soirée et pour les personnes qui fêtent la Saint-Valentin, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Mais n'oubliez pas qu'on peut très bien témoigner l'amour que l'on porte à nos proches et surtout à notre amoureuse ou à notre amoureux à tout moment de l'année. Il ne faut pas attendre une date bien précise pour le faire, mais vraiment le faire quand on le sent, quand on a envie de laisser parler notre cœur. Je vous dis à très bientôt pour les petites vidéos sur le thème de l'amour, de la relation amoureuse, de la vie amoureuse.